Salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On est une nouvelle fois sur Saints Row. On est sur la chaîne secondaire et sur la chaîne principale, je vous ai déjà fait 3 vidéos, 2 fun dessus et une où je vous ai donné mon avis également. Et là, pour la chaîne secondaire, on va se faire une vidéo tranquillement où on va aller dans l'un des quartiers que j'aime bien du jeu. Mais je voulais voir avec vous pour mettre une tenue peut-être qui change. Tiens, voilà, on va mettre cette veste. Parce que j'ai pas forcément envie de mettre... Voilà, on va mettre cette veste. C'est très bien. Je voulais faire un peu de shopping. On a fait le shopping. Et oui, on va se faire une petite vidéo sans trop de coupures, sans trop de montage. C'est juste chill dans un des coins. Ça, c'est, je dirais, j'ai pas encore, je pense pas avoir découvert tous les quartiers du jeu, mais c'est une des avenues que je trouve la plus jolie esthétiquement. Et on va faire ce qu'elle propose. J'ai déjà fait la fraude à l'assurance, donc ça, on va pas le faire. Je vois qu'il y a un moyen de récupérer peut-être de la drogue. Donc, on va prendre la drogue. On va faire également l'appel pour pourrir la réputation d'un restaurant, peut-être, où on verra ce que c'est le commerce. C'est le moment que je vous parle du sponsor de la chaîne, à savoir Instant Gaming. C'est le site, si vous voulez acheter des jeux moins chers, et le lien est en description. Merci. Il faut juste que je trouve... mince. Il va falloir qu'on fasse le tour. Comme ça, vous allez voir, pour ceux qui n'ont pas le jeu, comment ça se déroule. La plupart des activités à faire dans les lieux aussi, contrairement à la chaîne principale. Là, j'ai désactivé les musiques, ce qui fait que ça rend... Oula. Ah ouais, j'avais oublié. Attendez, on va se faire un petit kiff. Voilà, j'aime bien faire ça. C'est drôle. Voilà, je me suis amusé. Maintenant, on y va. J'ai désactivé les musiques copyrightées, ce qui fait que ça paraît un peu plus fade. Sur la chaîne principale, c'est vrai que je passais un peu plus de temps. Ok, je suis bloqué. Je passais du temps, je mettais les musiques et j'essayais de faire aussi comme des transitions audio, genre la portière qui s'ouvre, la musique qui arrivait tout doucement. J'essayais de faire le truc bien pour donner l'illusion que la musique venait du jeu. Comme ça, c'était tout de même plus sympa. Et ouais, je trouve ces rues-là, ça fait partie... des rues les plus agréables à se promener. Et encore une fois, j'ai fait une vidéo où j'ai donné mon avis sur le jeu. J'ai donné mon avis sur... Attendez, je viens juste de sortir d'une vidéo de Last of Us, donc je me mélange un peu dans les touches. Ça va être un peu problématique. Vas-y, saute. Voilà, tu peux le faire. J'ai dit que je le trouvais pas exceptionnel, donc mais j'ai pas dit qu'il était complètement nul non plus. Certaines personnes ont du mal à voir la nuance entre noir et blanc. Il peut y avoir un juste milieu, et il y a un juste milieu, et encore une fois, c'était juste mon ressenti sur le jeu. Après tout, on s'en fout, c'est juste mon avis dessus, mais c'est tout. Voilà, on s'en fout, on va récupérer la drogue, on va pas faire la fraude d'assurance parce que je l'ai déjà faite. Et d'ailleurs, la fraude à l'assurance, j'en parlais dans les autres vidéos que j'ai fait dessus, je trouvais qu'il y avait, parce que Saints Row, il y a toujours eu un peu ce souci. Les véhicules arrivent là où on regarde. Si je regarde pas derrière moi ou sur les côtés, il y en a quand même quelques-uns, mais il y a peu de véhicules qui arrivent. Et la fraude à l'assurance, il faut se prendre des véhicules, un maximum de véhicules dans la tronche. Et les anciens Saints Row, le problème, c'est que des fois, il suffisait qu'on regarde pas dans la bonne direction ou simplement que des véhicules en face aient décidé d'arrêter de venir. Et ben, ils venaient pas à gauche, à droite, ni derrière. Et je disais que dans celui-là, on avait un peu plus de véhicules qui arrivaient. Et ça m'est arrivé justement dans des missions de fraude à l'assurance à me retrouver. Celle-là, j'ai dû la refaire une fois, par exemple. Ça m'est arrivé de... Pardon, je vous rentre à la tronche. Ça m'est arrivé qu'il n'y ait pas de véhicules qui arrivent. Donc ça, c'était un peu moins fun parce qu'à cause de ça, c'est pas de notre faute. C'est la faute du jeu qui nous propose pas assez de véhicules qui nous arrivent dessus. Alors que d'autres missions, justement, où on en avait beaucoup... je regardais un peu les équipements que j'ai. Parce que, étant donné qu'on va se battre violent là, on va aller là. Après, je pensais faire une récupération d'une fourgonnette. Et on pourra peut-être se faire d'autres éléments aussi. Voilà, on y est. On va mettre la note la plus pourrie, une évaluation des plus nazes, la vie en rose. Donc c'est quoi? Même le chat était faux. À l'intérieur, il n'y a qu'un distributeur automatique. C'est quoi ce bordel? On trouve moins cher à Mercado. Ok. On va mettre le pire avis, même le chat était faux. Ça, c'est violent. Même le chat était faux. Oh, non, j'arrive pas à voir avec le câble. D'ailleurs, j'en profite, c'est pas pour faire de la pub. Vous me direz si c'est arrivé en France, cette marque. C'est une sorte de... Ok, je vais mourir. De boisson ici en Suède énergisante. Et il y en a plein. De tous les goûts. Là... Ah, si, c'était le bon. Le goût, j'ai aucune idée de ce que c'est. Voilà, comme ça, si vous vous posez la question, j'en sais strictement rien. Et j'ai envie d'essayer mon poing. Faites voir comment il marche. Je l'avais débloqué depuis longtemps, mais je l'avais jamais essayé.
ça valait le coup. Et normalement, ouais, attendez, faut que je remplisse ma petite jauge. On va faire ça. Attends, bouge pas, je recharge. Nickel. Et là, je suis en feu. Voilà le travail. Et là, je peux lancer mon explosif que je l'ai toujours équipé, mais je l'ai jamais essayé. Et là, ça les envoie en l'air. Et normalement, yes, mais je suis encore en feu. Ça devait les ralentir dans le ciel pour que je leur tire dessus. Oh non, non, non. Pourquoi il se m'a visé là-bas? Regardez pas là-bas, il a fait un 360 pour regarder. Aïe, ça faisait mal. Allez, lève-toi, mon pote. Et même aussi la fraude à l'assurance, je sais pas si ça vous le fait aussi. Il met du temps à se relever, ce noob. Il veut... bouffe mon... Ouh. Il met du temps à se relever. Et ça me frustre parce que ça me fait perdre mon... Je vais crever, ça me fait perdre mon combo. Tiens, vas-y, envole-toi, mon petit oiseau. Voilà, et là... Ok, il est marqué triomphe. Ouais, c'est les premières fois que j'utilise encore cette aptitude. Et là, on va le finir avec le petit... Ah non, mais c'est bon. Et voilà, la mission est validée, la mission est réussie. Et maintenant, on va aller se faire... Là, on va faire une photo pour que je récupère. Comme ça, ça permettra à certaines personnes de voir comment les quartiers se font. Et se défont, surtout. Je vois qu'il y a un point où je vais pouvoir m'envoler. Ce que je pensais faire ça, on l'a fait. On peut peut-être se faire ça. On va récupérer ça. Et bien sûr, dans les zones, vous avez la carte, vous avez les menaces, tous les éléments à faire diminuer dans les différents quartiers. Je pensais on pourrait se faire également ceci. Et là, il y a des villas de malades. Là, normalement, c'est un point de téléportation. Voilà, il y a des villas de psychopathes. Donc, on va aller se faire celui-là. Ensuite, on se fait ça. Après, on va s'envoler avec le truc de météo sur le camion. Et on verra bien après. Il va bien mon manteau, non? J'aime bien. Ouais, peut-être qu'on essaye aussi de changer d'arme à un moment. Ça pourrait être cool. On va se prendre une petite voiture comme ça d'époque. Voilà, pousse-toi. Merci, au revoir. Et la drogue, elle est où? La drogue a l'air d'être en contrebas. On va aller sur la plage. On va se prendre ça. Salut. Attends, je regarde si mon taser il marche bien. Ça dure longtemps. C'est bon. Ça marche. Merci. Merci pour votre aide, madame. Alors, voilà. Qui c'est qui laisse traîner de la drogue partout comme ça? Ils ont pas honte? Pardon, je suis toujours légèrement malade. Ouais, c'est ce que je me disais. Normalement, il y en a trois. Il y en a un autre qui est caché là-bas, mais il n'est pas indiqué sur la carte. C'est bizarre. Ah voilà, il vient de spawn. Il vient de pop. Et j'ai mis le matin aussi. J'aurais pu mettre de nuit. Étant donné que j'aime bien les éclairages de nuit, comme je vous l'avais dit, mais... Bah, j'ai pas mis de nuit. Parce que même si ça rend bien sur YouTube, généralement, le lecteur préfère quand même les vidéos de jour. On va se faire ceux qui nous attendent là pour se battre. Il y en a un autre aussi de coup de poing américain. Mais il faut que je détruise un véhicule de police. Mais le problème, c'est que je ne l'ai pas trouvé encore. Je pensais que c'était un bug la première fois que je l'ai cherché. Je ne l'ai pas trouvé. Je me suis dit, bon, c'est un bug, je reviendrai une prochaine fois. Et je suis revenu la prochaine fois, il n'y était pas. Étant donné que le jeu nous habitue... Ok, je vais pas pouvoir passer. Le jeu nous habitue à pas mal de bugs, on va dire. Mais heureusement, ils sont en train de... Ouais, je peux pas passer à cause du truc au-dessus. Je peux faire du toboggan? Vu qu'ils sont en train de travailler sur un patch, j'espère qu'il y aura... Comme je l'avais dit, il y a des bugs qui sont plutôt rigolos. Et d'autres, malheureusement, bah, comme vous l'avez vu, même lors de la vidéo présentation que j'ai fait du test, le jeu a planté. Donc ça, c'est pas ouf. Je vais y aller avec ma Johnson. Ma Johnson ne m'a jamais déçu. Elle est puissante, elle est robuste. Il faudrait même que je l'améliore un peu plus. Ça, je peux le prendre en photo, je suis sûr. Non, ça, je peux pas le prendre en photo. C'est juste l'élément central de notre fight. Et ensuite, le truc météo est à côté. Eh, bonjour! Attendez, j'ai juste envie de vérifier un truc. Est-ce qu'il y a quand même de la musique de base ici? Ah, c'est un peu triste aussi. C'est pour ça que je parlais qu'en termes d'ambiance, malheureusement, ça manque un petit peu de vie. Mais bon, on va pas rentrer encore une fois dans ce débat, j'en ai parlé suffisamment. On part sur le fight, c'est qui veut se battre? C'est vous qui voulez vous battre? Voilà, allez, va dormir. Fais-nous un bon dodo. Toi, tu veux goûter ma batte? Qu'est-ce que tu m'as balancé? Il me balance des shurikens ou quoi? Attends, j'arrive, tu vois. M'a fait un doigt. Ah, là, on a une petite mélodie. Oh, punaise! Ah ouais, tu veux jouer à ça? Y a pas de souci, moi, je peux faire la même, regarde. Attends, je prends une arme. Ah, bah, t'es mort. Ah non, elle est pas mort.
Ça fait quoi un coup de pied dans la poire, mon pote? Attends. Tiens. Et tout ça sur l'estrade. Tout ça sur la scène, pardon. Aux yeux de tout le monde, la honte, non? Vas-y, tu veux te battre? Ok, raté, dommage pour vous. Voilà. T'as dit qu'à pas être sur ma route. J'arrive, mon pote. Et on va te faire un petit point en feu. Oh. Ça fait quand même... Aïe. J'allais dire ça fait bien mal, mais j'ai entendu le bruit d'une lame, là. Et notre dernière personne... Non, non! Il a appelé des renforts, le fourbe. Ils veulent que je la défende plus longtemps, ou alors j'ai pas trouvé la planque, peut-être. Pour moi, c'était ça, la planque. Elle est où, la planque? Attendez, on va la regarder, parce que le périmètre est un peu grand. Ah, voilà, j'ai trouvé la planque. Et maintenant, c'est parti pour une minute. Restez de ma faute, excusez-moi. Je vous l'avais dit, en plus, que par moment, il y avait des chronomètres et il fallait attendre. Bah, lui, il se fait mal tout seul. Hop là, je suis en sécurité. Oh non, ils sont de retour. Ça devrait le faire. Il y a personne en haut? Non, il y a personne. Faut que je continue de défendre. Là, ils ont l'air assez gentils. Elle était en train de faire une photo. Là, son arme, elle va revenir. Mais voilà, elle est revenue dans le vide. Oh, mais je vous aime pas, vous. Qu'est-ce que je peux faire? Ah non, vas-y, on essaye ça. Voilà, alors ça, là ça l'a stoppé. Par contre ça lui a pas enlevé de vie. Ça l'a juste stoppé dans son attaque. Je vais réessayer la batte de baseball. Attends, vas-y. Ah mais pourquoi ça marche plus? Attends. C'est marrant, auparavant ça stoppait son... Ça l'a stoppé. Et maintenant ça le fait plus. Et voilà le travail, menace éliminée. Bon, maintenant on va aller chercher le seau. Il est en bas ou il est en hauteur? Parce que normalement il devrait être en bas, je pense. Parce que des fois, ça arrive que ça soit en hauteur. Et que j'arrive pas à le choper. J'ai vu qu'il y avait peut-être un petit chemin. On va voir si je peux me faufiler directement par là. Allez, accroche-toi, s'il te plaît. Il est juste là, tu peux. Ok, il a décidé de pas vouloir s'accrocher. On va devoir faire le tour. Voilà, il est juste là. On va en profiter. On va mettre le point là. Et normalement, la carte, je peux la mettre en restant appuyé directement. Ouais, j'ai pas besoin d'aller sur mon smartphone pour le faire. On va faire ça. On va récupérer le véhicule. Pour ceux qui n'ont pas vu du tout Saints Row, il faut... je me suis penché trop en avant. Il faut éliminer les ennemis qui protègent généralement la fourgonnette de bouffe. Et après, on doit le ramener, la fourgonnette de bouffe. Bah mince! Pourquoi j'ai pas réussi à... Bah oui, j'appuie... Ah non, j'appuie sur R1. C'est de ma faute, je me suis gouré de touche. Normalement, on peut rebondir sur leur tête. Si je prends peut-être suffisamment de hauteur, je vais peut-être pouvoir ressauter. Essayer de rebondir sur une tête. Mais il faut que je trouve plus de hauteur. Ah là, j'aurais pas assez de hauteur, là. Ah, ça va être juste... Ça va être juste... Merci pour la thune. Combien? 30$, pas mal. Ça valait le coup. Ça valait quand même pas mal le coup. Oula, j'ai pas mal de ralentissement. Et ma zone, ouais, elle est quand même plus au nord. Elle est où la boutique de vêtements? Ah ouais, les boutiques de vêtements, par contre, en extérieur, les vêtements sont vraiment nazes. J'arrivais pas à passer, ça m'a énervé. Je l'ai énervé ou pas? Non, je l'ai pas énervé. Et là, je suis en train de m'énerver contre des cactus. Ah, punaise, j'ai rien. Si j'avais eu mon lance-roquette, je crois que j'ai tué un civil innocent. Fallait pas danser, mon pote. Aïe! Attends, je suis en train de danser. Ok, tu me laisses pas le choix. On va faire... Arrêtez! Mais, punaise, il m'empêche de... Ça, c'est bonbonne, j'ai jamais trop compris le principe. Mais, arrête! Voilà, ça a servi à rien, ce que j'ai fait. Ça me fait marrer le son par contre. Le son des baffes est vraiment très drôle. Et mon perso il regarde derrière, je sais pas. Je pense pas que ça soit moi qui fasse une manip pour regarder derrière. Coucou.
Bye. Et là, mission finie. Ah, voilà le travail. Qu'est-ce que je vais prendre comme véhicule à eux? Leur moto, j'aime bien, elles font de la lumière dans tous les sens. Ouh, il y a un billet là-haut. On va récupérer. Mince. Ton véhicule est débloqué. Ah, super. Ouais, la barrière qui se casse pas. Ah, bon, bah désolé. Vous ne voyez plus ma tête. La caméra a décidé de s'éteindre. Je sais pas si j'avais plus de batterie. Ou si j'avais simplement plus de place sur la caméra. Ouais, comme je vous l'ai dit, j'ai enregistré une vidéo il y a quelques minutes sur Last of Us. Et ma caméra a fait « Ok, c'est bon, j'ai assez travaillé pour aujourd'hui les mecs, je me tire. » Les dollars, comment je fais? Parce que normalement, faut que je casse le véhicule qui devrait être... Ah non, vous êtes en train de l'embêter? Embêtez pas les gens. Le mec il dit ça alors qu'il frappait tout le monde dans la rue il y a 2 secondes. Arrêtez, attendez, ça se fait pas de me battre. Attends, je vais te finir comme ça. Vas-y, viens, recule pas. Ah mince, je peux pas pour le moment, t'as ton bouclier. Pardon, monsieur, je vous défendais. Mais tiens, voilà. À moi la thune. Et voilà le travail. On n'est pas bon là. Et maintenant... notre dernière mission pour aujourd'hui, mais je vais d'abord prendre ça en photo. Parfait. T'es en train de bugger, toi. Ah, voilà, c'est mieux quand tu cours. Elle court un peu façon Destroy All Humans, non? Où est le truc? Ah, voilà. Mais d'abord, maintenant, faut que je parle à la personne. C'est toi? Tu sembles suspect, non? Non, c'est toi. Bah, t'es un peu plus suspect. So that's Sammy, hein? Oh, hey, boss. Where's Kev? Busy. What you got for me? Sammy runs the northeast part of town. Ponta Vista, Marina. They sell club drugs mostly. High-end synthetics. How's security? You should have brought Kev. I can handle this. You go. J'adore ton chapeau. Maintenant, on bute tout le monde. This is gonna be fun. Ouais, ça va être très drôle. Un petit point. No one down. Ah, mais j'en touche qu'un. Où c'est vous, là? Où sont les ennemis, là? Voilà. Je tire pas sur les bons. Ah. Il vient de se réveiller, il lui a eu un peu de mal. Allez. Nya. Allez à toi maintenant. Non, je rigole. Next. Ok. Je sais qu'il y en a un qui est passé sur la gauche, vous inquiétez pas, je l'ai vu. Voilà, il se cache dans le panneau. Maintenant, il se cachera plus. C'est bon, je peux prendre le véhicule maintenant? Ah non, il y en a encore d'autres. Je peux peut-être faire péter la fourgonne. Net pour les buter. Je crois que ça ira plus vite si je les bute. Mais vu que j'ai commencé, j'ai envie de terminer. Ah, il y a un ennemi. Voilà. Ok, ça lui a rien fait. Bon, on va peut-être faire bien la mission. On va arrêter les bêtises 2 secondes. Voilà, heureusement qu'il y a un super lock auto. Très bien. Et j'aurais peut-être pu acheter des nouvelles armes. Ça aurait pu être. Il n'y a pas un mec qui me faut. Ouh, la petite esquive, mon pote. Ah, bah il est mort comme une bouse. On va faire l'attaque que j'aime bien. Attends, reste là. Voilà, vite, vite, vite. Ah, trop bien. Je sais plus ce que je disais. J'ai complètement zappé. Attends, j'arrive pas à tourner. Mince, j'ai pas eu le temps de lire ce qu'il a dit. Il a dit, tu sais ce que ça veut dire? Par contre, là, vous bloquez. Oh, putain. Vous êtes pas sérieux, j'ai aucun moyen. Y a pas un petit tremplin, un petit truc pour que je saute? Là non, je peux pas passer par là. Ah bah voilà. Oh là là. Vous êtes pas très vivace. Oups, pardon. Je crois que c'est. Non mais attends, le mec il roule plus vite que moi en marche arrière. Il a dû être poussé. Touche-toi. Voilà. Oh le dérapage à la perfection. Il y a tout le monde qui me tire dessus. Bon ça va, ils me demandent pas d'aller super loin. Par contre, ils sont. Maxi violent, la preuve, ils se font mal entre eux-mêmes. Ah ouais, ok, je vois très bien où on va. Allez, venez, venez à côté de moi, je vous pousse. Après, je peux vous tirer dessus, mais... Attends, j'arrive pas. Ok, bon, on va arrêter de tirer. J'arrive pas à faire tout en même temps. On va se concentrer sur la route. Ouais, voilà, ils poussent tout le monde. Ah, bah par contre, je peux tirer de ce côté-là. Voilà, c'est ça que j'aurais dû faire. Rouler en marche arrière, c'est plus simple. Comme ça, je tire... La caméra, si ça bouge comme ça, c'est normal, c'est la caméra qui a décidé de se mettre de cette façon-là.
Voilà, bon, on va y aller, ça sera plus simple. Ok, je suis encore bloqué. 2 secondes, bougez pas les mecs. Voilà, hop. Non, c'était pas ça que je voulais faire. On va y arriver, vous inquiétez pas. Ah, maintenant, on a juste à le défendre et ça sera quand même plus simple. Comment ils sont volés, mon gars? T'es où? Vas-y, regarde, je vais te montrer une technique secrète. Attends, mais arrête de faire ton timide. Voilà, va là-bas. Hop. Ça, c'est trop bien. Oh, il est avec son chapeau, mais c'est mon pote. Bah oui, je me disais. Mais arrêtez de me frapper, là. Il recharge. Il... Voilà. Bah, attendez, il est avec moi ou maintenant? Je sais plus, le mec avec le chapeau, là. Ouais, il est avec moi. Sur qui il tirait, alors? Mais vous, ils se mettent tous devant moi là. J'ai récupéré. Ah. Bye. Oh, je me suis pris un vent cosmique. Et où le dernier? Voilà. Allez. Retourne chez ta maman. Et je crois qu'on est bon. On est bon. Et je pense même qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo où on aura exploré. Et fait davantage de missions sur cette partie de la carte. Et vous me direz, je verrai en fonction des commentaires. Et si vous voulez qu'on fasse peut-être... Voilà, aujourd'hui, on a fait plus cette partie-là de la zone. On fera très certainement, en fonction de vous, d'autres parties de la carte. On pourra avancer. Et voilà. Donc sur ce, merci à tous. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vais faire un dernier truc juste pour... qu'on se fasse un dernier petit kiff. Et la prochaine vidéo, je pense qu'il faut qu'on continue aussi avec Marcus, quand même, Strandodip. J'ai pas eu le temps de jouer avec lui, malheureusement, avec le déménagement. Et aussi continuer Way of the Hunter. Et on va se faire un petit saut. Je sais pas où on va aller. On va essayer de sauter d'ici. Et on va voir. On va se donner un objectif. Est-ce que d'ici, vous pensez que je peux arriver sur le pont? Voilà. Comme ça. On va voir si c'est possible ou non. Pour le moment, j'ai pas. Je sais qu'il y a d'autres améliorations pour mettre une sorte de boost supplémentaire, je crois. Je l'ai pas actuellement. J'ai la possibilité d'atterrir sur les voitures, mais ça, on l'a de base. Et j'ai la possibilité de rebondir sur les humains. Mais ça, j'ai essayé de le faire tout à l'heure, mais je me suis gouré de touche. Et ça, c'est aussi un lieu d'une mission principale. Mais je pense que ouais, la réponse, et on peut même aller très certainement sur l'autre carte là-bas. On va voir si je peux prendre un peu plus de... Je sais pas si ça marche bien comme ça. Je pense que là j'ai perdu plus de hauteur que si j'essayais d'avancer, si je m'étais laissé porter par le vent comme tout à l'heure. Et la réponse est oui, on peut aller ici. Et maintenant... Non, j'ai dit sur le pont. Voilà. Terminus. Je suis atterri. Et là vous voyez, ouais, y a pas de voiture, faut attendre qu'elles arrivent, qu'elles pop. Et pareil, là, je regardais pas, du coup, il n'y en avait pas qui arrivaient. Et voilà pourquoi c'est un peu compliqué sur certaines missions de fraude à l'assurance. Sur ce, merci à tous et à bientôt. Ciao !